Oui. Se calmer. Élevé au bovin, je peux vous dire que ce gars-là, la plaque 50 du club de Savenay, je sais pas ce qu'il mange comme steak, mais en première ligne, c'est efficace. Monsieur Thomas Michavilla. Le club de Valette. Couloir numéro 3, Clément Régnier. Les couleurs de Cholet, la plaque 78, Gauthier Gassot. Des couleurs locales, le club de Changé, ouais, mesdames et messieurs, Christophe Chauffard. La Roche-sur-Yon, Jean-Michel Bouillot. Machecoul, Mickaël Bessonnet. Le club de Savenay, François Boutin. Et pour terminer, il a pris la 8 parce qu'il restait la 8. Il vient du club d'Argentrée. Papou Didier Guyon. C'est Papou quand même. Papou, c'est celui qui est avec Maël. Oui, voilà. Il va sauter. Oh, l'anticipation, mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'au couloir numéro 2, l'anticipation était bien présente, mais la technicité du Valtec Clément Régnier, eh bien, va peut-être jouer en sa faveur. Allez, on va voir ce qui va se passer dans la deuxième ligne. Eh bien, monsieur Thomas Michavilla de Savenay a décidé de mettre les watts dans cette deuxième ligne et il s'envole. Il a pris 2, 3, 4 longueurs d'avance sur le pilote de Valette, Clément Régnier. Clément Régnier relégué à une deuxième position à la troisième place. On va parler de Gauthier Gassot. Gauthier Gassot, le Chauvenet, va monter sur le podium pour cette seconde manche de la Coupe régionale BMX des Pays de la Loire. A changé, mais c'est bien une victoire de Thomas Michavilla.